Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui on part du côté de chez Truck Access Simulator et principalement du côté old school et je vous présente ce Saviem PS30. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. On retourne du côté de chez Truck Access Simulator et je finis de vous présenter tous ces modes mis à jour. Aujourd'hui on va du côté old school, puisque c'est toujours old school hein, chez Truck Access. Et là on revient vraiment dans les années 70, etc. puisque je vous présente le Saviem PS30, donc c'est un vieux de la vieille en tout cas. Et c'est cool d'avoir ce type de véhicule sur le jeu parce que c'est vrai qu'on a que du véhicule contemporain. Et le fait d'avoir des véhicules très 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 vieux, je trouve ça vraiment très cool en tout cas. Alors, en tout cas, merci à lui de m'avoir envoyé des mods évidemment pour que je puisse vous les présenter. Allez, c'est parti, vendeur de camion, on perd pas trop de temps. On va aller directement le récupérer, je vais y arriver. Ce Saviem PS30, il est là, voilà. Donc vous avez la version standard et la version ici, la version porteur. Donc du coup, on va s'attaquer à la version standard. Voilà comment se présente ce Saviem, il est magnifique, je le trouve vraiment excellent. Il est vraiment très très bien reproduit. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, encore une fois. Donc du coup, je préfère préciser, ce véhicule est totalement payant. Hein. Voilà, je vous mettrai le lien en description sur le Gumroad de Truck Access Simulator. En termes de cabine, on n'a rien. En termes de châssis, on est sur du 4-2. On a la version ici, bien sûr, porteur, évidemment. Hein, voilà, on a la version 6-4 ici. Donc ça, c'est cool. Et la version 6-4 porteur. Si j'arrive avec ma souris, voilà. Donc nous, on va rester en 4-2. Oui, voilà, on reste en 4-2. On va le laisser comme ça. En termes de motorisation, donc faut pas s'attendre à une bête de guerre parce que ça ne développe uniquement maximum que 285 chevaux. Hein, donc c'est pas beaucoup. Donc là, on est sur du 6 cylindres. Bah écoutez, on va mettre donc le son max. En termes de transmission, on va retrouver des vieilles transmissions ici, donc sans ralentisseur. Ça n'existait pas à l'époque. Hein, voilà. Donc du coup, là, on aura juste le frein de remorque qui servira de ralentisseur pour freiner notre petit jouet. Ici vous avez donc 9 rapports, 7 rapports, etc. Donc des boîtes à l'ancienne, donc du coup voilà, vous choisissez en fonction de vos goûts. En termes de skins, évidemment, voilà, vous avez des skins un peu partout. Voilà, c'est vraiment complet, j'aime bien celui-là, il est très sympa, ça fait old school, je kiffe. Donc là vous avez plusieurs skins ici à l'effigie bien sûr de notre ami Truck Access Simulator. Et sinon bien sûr ce véhicule est totalement skinable hein. Voilà, donc du coup on va mettre celui-là, c'est très bien, ça fait la paire ça. En termes de personnalisation, j'ai ajouté le pack old school, qui lui est à part, hein, évidemment, et qui est payant lui aussi, le pack old school pour personnaliser ce véhicule, et bien sûr, le pack d'accessoires intérieurs de Truck Access. Voilà, parce que nous, autant faire vraiment dans l'old school. Donc ici, vous avez la possibilité de modifier le pare-choc, de mettre la barre ou de l'enlever. Enfin bon, vous choisissez ce que vous voulez. Ici, vous avez des slots, plusieurs slots pour mettre des plaques. Hein, donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Petite plaque 10 mats. On va mettre ici un petit, je pense, autocollant ovale. Donc bien sûr, non, horizontal. Voilà, regardez, ça rend plutôt pas mal. Et ici, donc bien sûr, vous pouvez mettre divers accessoires. Vous avez la possibilité de mettre ici des bavettes. Si j'arrive à choper le slot, il n'est pas facile à attraper celui-ci. Non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à l'attraper. Alors les slots sont très 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 compliqués. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors là, théoriquement, on va pouvoir mettre ici une bavette. Voilà, donc ça passe très bien. Petite bavette Saviem ici. Et là, du coup, hop, on va mettre de l'autre côté, même chose. On va pouvoir mettre ici un petit talmu, parce que oui, il y a des petits talmus chez Truck Access. Voilà, l'Obim. On va le mettre ici. Voilà, vous avez deux talmus différents. Ouais, c'est très bien comme ça. Et puis, on va pas trop surcharger non plus. On pourrait mettre des accessoires ici, mine de rien. Voyons voir si ça pourrait bien passer, ces petits feux là, ici. Alors, pas les up, hein. Pas les up. Pas les up. Ah bah, il n'y a que les up. Ah bah non, c'est moi qui est... Ah bah non, ça passe pas ici. Ça ne passe pas, ça... Ouais, ok. Bon, ouais, écoutez, on va les mettre à la limite. On va pouvoir mettre ici un feu en plus. Tiens, on va mettre des petits... voilà, fermés, hop, des Ela ici. Et ouais, ça rend pas mal, hein. On va laisser comme ça. Et bien sûr, sur les côtés, vous pouvez mettre des petits accessoires, etc. On va pas trop surcharger non plus, hein. Faut pas trop exagérer. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, ça, c'est l'échappement. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il apparaît ici, le slot. Ici, stock white ou stock yellow ici. Donc les feux un peu jaunes. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas mal de nuit, ça rend vraiment super bien. Ici, vous avez des slots un peu partout pour mettre vos accessoires ici. Donc bon, vous mettez ce que vous voulez.
Bon, nous, on va mettre, je sais pas, une pin-up, ou je sais pas, on va mettre des petits. Je sais pas, il y a une pin-up ici en version small, on va plutôt mettre ça. Et bon, voilà, vous mettez ce que vous voulez, en tout cas, vous avez des slots ici prévus pour mettre divers accessoires. Vous avez ici même le slot pour mettre les angles morts, moi je vais pas le mettre hein, parce que, voilà, c'est pas, c'est un vieux véhicule, donc il ne mérite pas qu'on lui inflige un tel sort. Les free slots, donc là c'est pour mettre tout simplement des petits stickers par-ci, par-là, enfin bon, vous mettez ce que vous voulez, voilà, vous avez la possibilité de mettre plein de trucs, berliers, etc., enfin bon, les routiers, compagnie, enfin bon, vous mettez ce que vous voulez, Michelin, voilà, tac, là on va mettre stickers, les routiers, Texaco, enfin bon, vous avez pas mal de choses, en tout cas, vous choisissez ce que vous voulez, vous avez des autocollants un peu partout. Mais ça, encore une fois, c'est dans le pack old school, hein, évidemment. Donc, je préfère vous prévenir à l'avance. Les rétroviseurs, donc avec grand angle, là, évidemment, vous pouvez mettre avec grand angle, ici, donc que d'un côté, évidemment. Alors, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les. Ok, donc ça, les pare-soleil, donc de plusieurs couleurs. Il y en a un rouge, c'est parfait, ça fait l'affaire. Ouais, bah, écoutez, on va mettre, je pense, le rouge comme ça rend vraiment super bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. Quoique, on. Ouais, en noir comme ça, c'est mieux. Hein? C'est mieux en noir comme ça. Allez. Ici, donc, le rétroviseur d'accostage qu'on va pouvoir mettre. Au-dessus, évidemment, vous avez soit des pre-slots pour mettre tous vos accessoires, soit ici une rampe pour mettre des accessoires en plus, soit ici vous avez des mini lightbox, enfin des lightbox. Je sais pas pourquoi j'appelle ça des mini lightbox, mais des lightbox pour mettre, bien sûr, voilà, vous pouvez la skinner, etc. Your Company, vous pouvez tout skinner, etc. Enfin, c'est pas mal. Donc, du coup, on va plutôt mettre ça. Je trouve que ça fait plus sympathique. On va mettre les gyros ici. Alors, j'ai les gyros de 50K normalement qui doivent être quelque part au-dessus. Si tout se passe bien, si j'arrive à les retrouver, ben non, ils y sont pas. Voilà, ils n'acceptent pas les gyros du 50K. Donc, on va mettre les gyros ici. Les gyros de Truck Access. Parce que j'ai une préférence pour les gyros de 50K. Je les trouve vraiment très, très, très bien fait. Et ici, ben, après, vous mettez vos loupiottes. Hein. Voilà, on va pas trop surcharger. On va mettre, je pense, des Torpedo Lights. Je pense que ça fera l'affaire. Voilà, hop, un truc un peu old school qui rend assez bien. Et voilà, on va faire ça comme ça. Et de l'autre côté, ici, voilà. Comme ça, au moins, voilà, c'est plutôt bien proportionné et ça rend assez bien. Après, bon, voilà, vous avez la possibilité de mettre des trompes et compagnie à l'arrière. Vous voyez, là, on a les trompes de Truck Access qui sont là. Donc, on a la version left et la version right. Alors, c'est sur quel slot que j'ai mis? Donc, c'est le plus au fond. Donc, c'est celui-ci. Et du coup. Voilà, on va faire ça comme ça et ça ira très très bien. Pas besoin de plus, hein. Voilà, c'est bien comme ça. Ça fait l'affaire. Ok. On va basculer sur le côté. Du coup, les roues, ben, on va les laisser telles quelles. On va, je pense, peut-être peindre peut-être les roues la couleur du châssis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, histoire que ouais, ça rende vraiment pas mal. Donc, on va faire ça comme ça. Tac. Les goujons de roues, c'est pareil, hein. Donc, on va faire en peinture comme ça. Tac. Et ici. Donc là, par contre, bon, je mettrais bien Iveco. Je pense que c'est ce qui rendra le mieux. Voilà. Donc là, vous avez les roues old school en peinture ou en normal, en tôle, hein, classique. Les roues, par contre, bon, par contre, ouais, les roues, on va mettre du Michelin. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Voilà, tac. Histoire de faire un truc vraiment réaliste. Ici, vous avez un slot pour mettre petite loupiote. Et ici, vous avez des slots pour mettre les bavettes à l'arrière. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre les bavettes longues, hop, ici et de l'autre côté. Ok. À l'arrière, vous avez des slots encore une fois pour mettre vos accessoires, voilà, les angles morts ou les disques de vitesse, enfin bon, vous pouvez mettre pas mal de choses. Ici, vous avez, pardon, le réservoir, donc soit peinture ou soit ici métallique. Ok, ici vous avez un slot, bah, c'est la même chose. Par contre, il y avait un slot pour l'échappement, il est là, voilà. Donc l'échappement. Métal hein, comme ceci en peinture ou sinon vous avez carrément l'échappement vertical mais par contre il apparaît quand je clique dessus ça ne marche pas. Il y a un souci avec l'échappement vertical. Faudrait que j'en parle à notre ami Gauthier. Et vous avez un slot ici pour mettre bien sûr la fumée. Hein, voilà donc, la fumée malheureusement qui voilà. Ok là donc ça c'est ok les réservoirs on s'en fout. Donc là alors les roues on va faire la même chose donc on va les peindre on va mettre ça hop en peinture et bien sûr ça on va mettre ça. On va mettre du Michelin, voilà, histoire de. Tac. Ok, très bien. Là, c'est pareil. Donc, vous avez nos fenders. Donc ça enlève carrément donc, les passages de roues et compagnie. Vous avez plastique style 1, style 2, style 1 et style 2 en peinture. Donc, du coup, je pense que je vais mettre ça comme ça rend assez bien. Ou quoique,
Peut-être comme ça, c'est pas mal. Allez, ça fait l'affaire comme ça. Vous avez bien sûr la possibilité ici de mettre les bavettes, hein, bien sûr. Donc voilà, donc les bavettes, on va les foutre là. Hop, c'est très bien. Et là derrière, bien sûr, vous avez tous les slots. Vous pouvez changer. Donc soit des pre-slots pour mettre ici des loupiottes, enfin à vos goûts, ou sinon les lumières d'origine. Hein. Donc on va mettre ça d'origine. On va mettre bien sûr la plaque ici. Donc on va mettre, on avait mis une plaque 75. Donc on va mettre une plaque 75 ici. Et vous avez un slot ici normalement. Pour alors c'est normalement l'éclairage de plaque, normalement il doit pouvoir se poser ici. Alors attendez, il faut juste que je sélectionne le bon slot parce que voilà, je sais pas si l'éclairage de plaque va passer ici. Voyons voir. Ouais non, parce que là vous avez du gauche, droite, down, assis, down peut-être. Voyons voir. Ouais, ça... ouais non, mais down c'est vers le bas. Regarde là, alors, attendez, je regarde parce que ouais non, en fait ça va pas passer. Bon, je pensais que ça allait passer, mais pas du tout. Bon, bref, en tout cas, on a un slot ici. Bon, alors ensuite ici, on va pouvoir par exemple mettre, bah non, les disques de vitesse, on va les mettre là. Donc voilà, je pense que ça ira très très bien. Donc faudra prendre les petits, je pense. Hein. Donc 80, alors les petits, hein, voilà, 80 et 90 en petit. Et puis voilà, après vous mettez ce que vous voulez. Enfin, vous avez pas mal de choix en tout cas qui s'offrent à vous sur ce véhicule. C'est vraiment pas mal en tout cas. Franchement, hop, c'est parfait, rien à dire. Et voilà, et vous avez ici la possibilité de rien faire puisque c'est à l'intérieur que ça va se passer. Voilà, ok, allez, on va basculer à l'intérieur. Donc l'intérieur c'est pareil, hein, il a été totalement revu. Regardez, ça rend super bien. C'est vraiment parfait, vraiment très 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 bien optimisé en plus. Et la qualité est juste oufissime. En termes de personnalisation, donc là, on a plusieurs types de volants. Ok, donc volant luxe, standard, luxe white et... ah, on a un volant Renault comme ça. Ouais, ça claque le petit volant Renault à l'ancienne comme ça. Trop stylé en vrai. Bah écoutez, je vais laisser celui-là. Ok, très bien. La petite horloge qu'on peut mettre ici. Donc ça, c'est les plaques ouvrières, plaques chauffeur. Les GPS et tout ça, par contre, c'est pas inclus dans le véhicule. Hein, voilà, c'est le pack d'accessoires d'intérieur. Hein, voilà. Donc du coup, bien sûr, le GPS qui va être indispensable. Voilà, on va le laisser là. Les objets, les éléments du pare-brise, évidemment. Donc on va pouvoir mettre divers petits accessoires. Alors attendez, on va essayer de faire un truc. Il n'y a pas un fanion perlier. Eh ben si, voilà, un petit fanion perlier qui est ici. Et il me semble qu'ici, on va pouvoir mettre... on peut mettre... alors c'est pas, c'est Savienne, hein, c'est pas Berlier. Est-ce que j'ai... Bah non, j'ai pas Berlier. Ah si, j'ai Savienne là. Voilà, Savienne. Ok. Je savais que j'avais Savienne. Berlier, Berlier. Et par contre, il n'y a pas en triangle. Ah si, Savienne en triangle. Ok. Ça marche. Bon, on va laisser comme ça. On va pas trop exagérer non plus. Ok, ça c'est les free slots. Ok, très bien. Donc là, encore une fois, des free slots ici partout. Donc sur tableau de bord pour mettre vos accessoires, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, donc, les franges. Donc soit des rideaux classiques ou soit les franges ici animées, elles sont animées, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Et ici, on va mettre un petit feu orange, ça rend super bien à l'ancienne, hein, ça rend super bien. Ici, on peut peindre, enfin peindre, ouais, on peut rajouter un peu de moquette ici sur le plancher. Là, ok, les accessoires, on peut les mettre sur le siège. Ici, on peut mettre des rideaux, donc fermés, soit semi-ouverts, etc. Donc c'est pas mal. Un lit, évidemment, supérieur, donc à l'ancienne. Mettre un petit sac ici. Dommage qu'on puisse pas mettre de couverture. Ouais, ça aurait été cool. Mais voilà, en tout cas, franchement, l'intérieur est vraiment propre. Il y a ce qu'il faut, où il faut en termes de slot. Et c'est très très bien, franchement. Regardez, wow, il est franchement stylé, ce véhicule. Niveau erreur, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, waouh, 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 waouh. Wow. Bon, il y a des conflits avec le MAN. Ouais, il y a quand même pas mal de conflits. Donc ça, je vais faire le rapport, ça va être corrigé, vous inquiétez pas, ça va être corrigé, donc pas de panique. Après, en soi, clairement, c'est pas des erreurs méchantes, c'est des fichiers PMD. Bon, Missing Accessories, Preview Véhicule, ouais, donc il a oublié quelques petits détails. Je pense qu'il y a des trucs, ouais, qu'il a pas... mais du coup, vous inquiétez pas, ça va être corrigé hein, dans les prochaines mises à jour. Ok. Je vous présente pas la version porteur, hein, vous savez ni plus ni moins comment ça se passe pour cette version porteur. Je vous montre très très brièvement... surtout au niveau de la personnalisation, ce qui est très intéressant sur ce véhicule. Donc là, vous voyez, donc les carénages latéraux, enfin les barres anti-encastrement, surtout, bon, ça on s'en fout. Là, pareil, donc on peut mettre les bavettes et à l'arrière, évidemment, vous avez des slots, encore une fois, des free slots pour mettre vos accessoires. Et ce qui est vraiment bien, c'est que regardez, du coup, vous avez la possibilité de mettre en citerne avec bien sûr les slots sur les supports d'ADR. Donc les supports, enfin les plaques ADR, vous les avez dans le pack Truck Access Old School. Vous avez la possibilité de mettre ici donc la version bâchée, donc encore une fois avec les slots derrière pour mettre des disques de vitesse, angle mort et compagnie, et la version fourgon, et bien sûr tous les slots sur les côtés pour mettre des petits loupiottes. En tout cas, c'est vraiment bien foutu, il a pensé à tout.
Ok, allez, du coup, on va aller le découvrir ensemble, hein, ce petit Saviem PS30 qui est vraiment pas mal. Franchement, je le trouve vraiment super cool, ce véhicule. On va se mettre ici comme d'habitude. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très, très beau, rien à dire, très représentatif. Et ça fait vraiment bizarre de voir ce type de véhicule sur Eurotruck. En tout cas, je pense que ce jeu mérite d'avoir des vieux véhicules comme ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs SCS n'a pas voulu le faire. C'est vrai que ça aurait été cool, même pour des véhicules d'occasion et tout, ça aurait été cool d'avoir une sorte de carrière justement et récupérer des véhicules d'occasion de ce type. Alors peut-être que ça coûte beaucoup plus cher en termes de licence, vu que c'est des véhicules qui sont aujourd'hui de collection. Je ne sais pas du tout, mais bon, en tout cas, vraiment, il est super sympathique et très bien produit. Merci à Gauthier. On va le démarrer. Vous avez un son modé qui est incroyable. Le son est incroyable, en tout cas, franchement, très bien foutu. Le klaxon, soit c'est mon bouton qui déconne, ou soit il ne fonctionne pas. Et je crois qu'il ne fonctionne pas. Non, non, je pense pas que ce soit mon bouton qui déconne, sinon ça aurait marché. Bon, écoutez, j'ai pas de klaxon, c'est bizarre. Les trompes fonctionnent bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Ok, bon, bah écoutez, franchement, magnifique. Le son, il est stylé. Ouais, le son, enfin le klaxon, c'est bizarre. Je vérifierai ça. On sait jamais. Bon, alors on va se mettre de nuit. On va tester l'éclairage, évidemment. On va virer ça là. Je sais pas ce que ça fout là. Hop, donc feu de position. Ok, donc juste des petits feux sur les côtés ici qui fonctionnent bien. Feu de croisement. Regardez, vous avez ce flair ici jaune. Ça rend super bien. Ok, très bien. Feu de route. Et ça fonctionne très très bien. Aucun problème. Les clignots, c'est pareil. Ok, ils fonctionnent super bien. Il n'y a pas de souci. Tout est ok à l'arrière également. Marche arrière. On n'a pas d'éclairage de plaque. C'est normal. On ne l'a pas mis. Et on n'a pas de feu de recul puisqu'il n'y en a pas là-dessus. Et voilà. Mais en tout cas, tout est fonctionnel. Et les gyros, évidemment, regardez, tout fonctionne merveilleusement bien. Et bien sûr, hein, c'est très très fluide. Hein, pas de problème de performance. C'est d'une fluidité accrue. Ici, c'est pareil. Donc l'intérieur, du coup, très fluide. Aucun problème. Tout est fonctionnel, hein. Ici l'odomètre et compagnie, tout est, voilà. On est sur une version old school à l'ancienne, ici l'autoradio qui est à l'ancienne et qui est rétro-éclairé, donc ça c'est cool. Et puis bon voilà, en tout cas tout est ok. On va se mettre de nuit, donc ouais il y a encore des erreurs qui apparaissent, donc vous inquiétez pas, ça va être corrigé ces erreurs, il n'y a pas de souci, pas de panique, je ferai le rapport. À Truck Access, il n'y a pas de problème. Du coup, la vitre s'ouvre, bon on a le bruit de la vitre électrique, mais oui c'est des vitres électriques, regardez. Ah non, c'est des vitres manuelles, regardez. Mais pourquoi on a des boutons de vitre électrique ici? Je comprends pas. On a des boutons de vitre électrique et ici, regardez, en dessous, vous avez la manivelle pour ouvrir la vitre. Très bizarre. Très bizarre ce truc-là. Bon, bref, en tout cas, ça fonctionne. Et en plus, la poignée est animée. Le volant fonctionne bien. Ici, pareil pour les clignots. Ok. Bon, on n'a pas de ralentisseur, hein, c'est normal. Des essuie-glaces, ok. Donc là, ça fonctionne bien. Regardez, je vous montre, hein, bien sûr. Ici, quand j'allume les essuie-glaces, voilà. Le frein de parc, il fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Bon, là, pas d'animation au niveau de la pédale non plus. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, ça fait le taf en tout cas. Le volant, je le trouve vraiment stylé comme ça. À l'ancienne, regardez, avec un Renault un peu vieilli et tout, le signe Renault un peu vieilli. Je trouve ça vraiment excellent et c'est vraiment très fluide. Hein, donc, il n'y a pas de problème de performance sur ce véhicule. Voilà. Alors, est-ce que je vous le recommande? J'ai envie de vous dire oui pour tous les amateurs d'old school. Franchement, vous pouvez y aller sans problème. Je sens que je vais éternuer dans quelques instants. Je vais éviter. Non, c'est bon, ça passe. Ok. Donc, en tout cas, vraiment, il est très complet en termes de personnalisation. Encore une fois, c'est un véhicule qui ne sert pas vraiment à être décoré de façon tuning, entre parenthèses. Là, j'ai fait un truc vraiment simple et franchement, il est vraiment super joli. Après, effectivement, il y a quelques erreurs dans le log file qui vont être corrigées. Bien sûr, je vais faire le rapport auprès de Gauthier. Vous inquiétez pas, ça va être corrigé assez rapidement. Et il y a aussi pour l'échappement vertical qui n'apparaît pas. Donc ça, pareil, il va falloir que je vois tout ça. Mais vous inquiétez pas, ça va être corrigé. En tout cas, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Mais franchement, c'est un très bon véhicule, très sympa. Le son est superbe, rien à dire. Franchement, on est vraiment sur quelque chose de hyper qualitatif et optimisé à tire-larigot. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!